الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, la khutba du Jumu'a d'aujourd'hui est capitale, vitale, primordiale. Mémorisez bien, parce qu'aujourd'hui, vous devrez transmettre à vos moitiés. C'est qui vos moitiés ? Vos épouses. Je fais cette khutba, je ne l'ai même pas préparée. Je devais faire un sujet, mais hier j'ai reçu un coup de fil à 15h, une dame qui m'appelle pendant une demi-heure. Cette dame, elle me dit, ça fait, voilà mon frère, 23 ans que je suis marié et 23 ans que je prends des coups dans la tête. 23 ans que je suis marié, 23 ans que je prends des coups. Quand je me regarde de visage, mon mari me dit, une femme, elle ne se regarde pas sur le miroir. Ah, imaginez-vous, la suite, elle est longue. Très bien. Alors, on va regarder le meilleur des hommes. Pour nous, c'est le messager de Dieu, vous êtes tous d'accord avec moi. À l'unanimité. Sans aucun doute pour nous, le meilleur des hommes sur la terre, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais que pas dans la prière seulement, pas que dans le ramadan et dans le pèlerinage. Non, dans sa vie entière, comment il est avec sa moitié. Très bien. Allah Ta'ala dit dans le Coran, « بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم » Sourate Rum, chapitre 30, verset 21, les Romains, sourate Mekwaz. Allah dit, « وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ » Dans le sens, Allah Ta'ala dit, au nom de Dieu le tout clément, le tout miséricordieux, on loue Allah le plus grand, et on prie sur son âme le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Allah dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, il s'adresse aux hommes, vous êtes tous d'accord avec moi, c'est une injonction aux hommes, pas aux femmes, c'est un verset qui s'adresse aux hommes, et pas n'importe quels hommes, les hommes intelligents, ouais, parce que Dieu va mentionner ce profil de personnage. Allah dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Pourquoi ? Pourquoi Dieu a créé les femmes ? Regardez bien. L'itaskunu ilay. Afin que vous trouviez le repos, la tranquillité, la paix, le confort. L'itaskunu ilay. Voilà. L'objectif numéro un. Pourquoi Allah a créé les femmes pour les hommes ? Dieu le dit dans le Coran. J'ai créé la femme pour vous trouviez le repos sur cette terre. Donc le repos, ce n'est pas dans une Ferrari, dans une Audi A4 ou un terrain au bled, c'est pas possible. On va remettre le verset du Coran sur la table. Jamais. Allah dit,
Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez le repos. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ Maintenant, il s'adresse aux deux personnages. La jante féminine, la jante masculine. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Et j'ai mis entre vous deux choses. Il n'a pas dit l'argent, Allah. Il n'a pas dit la beauté. J'ai mis entre vous deux choses, vous les hommes et les femmes. La bonté, mawaddatan. La bonté, la miséricorde. Hein? Deux choses. La bonté, c'est l'amour. La miséricorde, c'est la pitié. كَذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Et ça, c'est un signe pour ceux qui veulent bien réfléchir. Ça veut dire que si tu réfléchis, tu vas comprendre que la femme, Dieu l'a créée pour que tu trouves le repos sur la terre. Mais si tu ne veux pas réfléchir, ben, tu vas croire que la femme, elle est venue pour tes intérêts personnels. Et là, tu te mets le doigt dans l'œil. C'est pas coranique. Coranique, c'est quoi? Le repos. Pas coranique, c'est ton intérêt personnel. Alors, faut pas se planter quand on prend le Coran. Et quand on adore Allah, et pour nous, Dieu, c'est la référence. Alors, on va commencer par un premier hadith dans le recueil de l'imam Ibn Hibban, tome 4, page 156, hadith 2305. Regardez bien. Anas radiallahu anhu nous raconte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Akmalul mu'minin imanan, hasanan khuluqan, wa khiyarukum khiyarukum li azwajihim » Voilà. Regardez bien, authentifié par les muhadithun. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant, on est tous des croyants, alhamdulillah, on est dans la catégorie des croyants. Le croyant qui a la foi la plus complète. » Ah non, c'est pas tout le monde ça. On a la foi, moitié, trois quarts, en bas, au rez-de-chaussée, dans la cave, au plafond celui-là. Le croyant qui a la foi la plus complète. Akmalul mu'minin imanan. C'est qui? Hasanan khuluqan. Ben, ce sont qui ont les meilleurs caractères. Ah mais le type, je le vois là. Il vient à la mosquée, il est calme, il est gentil, il est tout doux. Là. Non, non. Tu le vois à la mosquée, c'est un ange. À la maison, c'est un diable. À la maison, il se lâche, il casse tout, c'est Terminator. Alors regardez, le prophète dit « Akmalul mu'minin imanan hasanan khuluqan » Le croyant, les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont les meilleurs caractères. Pourquoi il a dit ça? Parce que s'il leur a dit ceux qui ont les meilleurs caractères avec les fidèles, ben on a tous les meilleurs caractères, donc on a tous la foi complète. Mais non, vous allez voir. Regardez ce qu'il dit. « Et ceux, et les meilleurs parmi vous, c'est pas ceux qui sont au premier rang. » Les meilleurs parmi vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. Ouais. Donc si tu veux faire partir des grands croyants qui ont la foi la plus complète, il faut déjà avoir un bon comportement. Mais attention, la condition du bon comportement, c'est pas avec les fidèles. Ce hadith, il dit quoi? La condition du bon comportement, c'est quoi? C'est avec ton épouse. Wa khiyarukum, khiyarukum li nisa'ihim. Et les meilleurs parmi vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. Parce que c'est trop facile d'être meilleur. Pourquoi? Parce que moi, je peux être meilleur pendant 10 minutes avec vous. Je suis calme, je suis gentil, je te donne un coca, l'affaire réglée. Oh, super, Faisal, il est magnifique ce gars-là. Mais chez moi, vous ne me connaissez pas. Quand tu vis 8 heures avec une femme, c'est pas que tu restes 10 minutes avec monsieur dans la mosquée. Hein, c'est facile à se retenir 10 minutes avec un fidèle. Je passe sur Sabran Jamil. Où les Sabran Jamil a fait le bait? Alors, regardez comment le prophète, alayhi salatu salam, moi, cette khutbah, j'appellerais la khutbah du gentleman. Oui, le prophète, c'est un gentleman. Et en vérité, s'il y avait des muhadithoun qui pouvaient faire un recueil de hadith, on l'appellerait quoi? La galanterie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. On va commencer par une anecdote. Dans le recueil de l'imam al-Bukhari, Anas raconte que le prophète, alayhi salatu salam, était dans la rue, quand tout d'un coup, un Mazdéen, ils existent aujourd'hui. Ce sont les adorateurs de feu, le dieu Mazda. Ils sont en Orient, à vous de chercher, ils sont où? Et ce Mazdéen, connu pour ses mets délicieux, en l'occurrence sa harira, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, hey, « Eh Mohamed !» Il l'appelle Mohamed parce que ce n'est pas un musulman. Il le rappelait au messager de Dieu. Hey, « Eh Mohamed, je t'invite à manger chez moi. » Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? C'est nous, en tant que mariés, un ami nous invite à manger. On envoie un texto à madame, « Coucou chérie, voilà, je suis invité, ne me fais pas manger ce soir. » Super, je vais me régaler. Non, ce n'est pas le messager de Dieu. Regardez comment il est. Eh bien, le prophète va dire à ce Mazdéen, est-ce que ma femme Aïcha est invitée? Non, non, c'est que toi. Merci beaucoup, ça ne m'intéresse pas. L'homme revient, hey, Mohamed, je t'invite à manger chez moi. Tout le monde sait que je fais des bons plats. Je suis connu pour ça. Est-ce que Aïcha est invitée? Non, 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 que toi. Merci, ça ne m'intéresse pas. Vous avez vu? Il ne laisse pas tomber sa femme.
Troisième fois, le mène arrive. Hey, « Eh Mohamed, je t'invite à manger chez moi. Est-ce que Aïcha est invitée ?» D'accord, elle est invitée. Et le prophète prend la main de son épouse Aïcha et il va, c'est l'inviteur. Ça s'appelle quoi ça? Ça c'est la galanterie. Complétez les rangs, barakallahu fikoum, et avancez. C'est ça le prophète, alayhi salatu salam. Un homme qui sort avec son épouse et qui va à l'invitation quand il est invité. Ça, c'est le prophète, alayhi salatu. Regardez, il est invité, il aurait pu se dire, bah, je vais aller tout seul, avec deux, trois copains, puis ma femme, elle reste à la maison. Il y a regard Koh-Lanta. Non, non, non. Le prophète, alayhi salatu salam, qu'est-ce qu'il fait? Mon épouse, trois fois mon épouse. Elle est vraiment dans son cœur. C'est pour ça, dans le recueil des mêmes musulmans, regardez bien comment le prophète, alayhi salatu salam, il appelle Aïcha, vous êtes prêts? Tu es le miel de mon cœur. Le miel de mon cœur. Même si dans la chaîne de transmission, il y a une faiblesse, mais au moins, il y a un hadith, celui-là, il est authentique. Vous savez comment il appelle son épouse? Regardez, un jour, Aïcha pose une question au prophète. Elle dit, comment est ton amour vis-à-vis de moi? Vous savez pourquoi? Parce qu'une femme, elle a besoin d'assurance et de rassurance. Ça veut dire qu'elle a besoin de savoir si son mari l'aime. Parce que je suis marié avec toi, mais je ne suis pas marié avec toi pour te donner des gosses et que tu fabriques une maison en bled. C'est pas pour ça que Dieu nous a créé les femmes. C'est pas pour donner plein d'enfants et vous fabriquez des maisons. C'est tout, non, vous allez voir. Alors elle va dire, hey Mohamed, comment est ton amour vis-à-vis de moi? Le prophète va lui dire, comme le nœud d'une corde. Le nœud d'une corde, ça te rassure? Oh que oui, ça me rassure. Et plus tard, elle va lui dire, comment est le nœud? T'inquiète pas, il tient bien. Voilà, ça c'est le prophète, alayhi salat. C'est pour ça, dans le recueil d'Imam al-Bukhari, selon Amr ibn As, radiallahu anhu, il rentre dans la mosquée. Le prophète est assis. Abu Bakr en bas, trois compagnons et d'autres. Amr ibn As, il dit, oh Mohamed, alayhi salat au salam, quelle est la personne sur la terre que tu aimes le plus? Et le prophète, sans aucune pudeur, va dire dans l'assemblée, dans la mosquée, devant les sahaba, la personne que j'aime le plus sur la terre, c'est qui? C'est Aïcha. Voilà. Ah, nous, on aurait un problème de dire ça aux gens. La personne que j'aime le plus, c'est ma femme. C'est évident. Ça, c'est le meilleur des hommes. Hein? Il n'a pas dit. Et qui d'autre? Ensuite, Abou Bakr. Et qui d'autre? Je m'arrête là, j'ai peur d'être en bas de la liste. Voilà le prophète, alayhi salatu, comment il est avec son épouse pour la sortir. Enfin, donc, c'est pour ça, mes frères et mes sœurs. 12% de divorces sont dus à cause du manque de communication. Les gens ne parlent plus. Chacun dans son coin. La femme fait son plat, tu fais ton plat, tu chauffes tout seul, je chauffe tout seul. La maison, c'est un self et c'est un hôtel. Regardez. Pourquoi? Plus de communication dans les maisons. Et ça, c'est 12% de divorces. On continue? 34% des divorces sont dus à l'infidélité. Eh oui, même les musulmans, ils tombent dans le piège de l'infidélité. Et la liste, elle est longue. Ensuite, 14% de divorces sont dus à quoi? À la violence conjugale de l'homme. On continue? 11% de divorces sont dus à quoi? L'ingérence de la famille. Eh oui, la belle famille. Ma fille, tu fais pas ça avec ton mari, attention. Mon fils, tu fais pas ça avec ta femme, attention. Mais c'est de l'ingérence. C'est de l'ingérence qui est catastrophique, car elle détruit. En fin de compte, la fille, elle fait pas ce qu'elle veut. Le mari fait pas ce qu'il veut. Non, c'est mon père ou c'est ma mère qui me dicte. Et vice versa. Imaginez-vous, ça, ce sont des catastrophes. Et ça, ça amène au divorce, la déchirure. Enfin, donc, c'est pour ça, regardez comment le prophète, alayhi salat, il se comporte. Alors, le prophète, alayhi salat, est un homme, non seulement il est galant, c'est un gentleman, mais il communique avec sa femme, il discute avec sa femme. C'est le prophète, alayhi salat, vous savez ce qu'il fait? Il fait des concessions. Qu'est-ce que c'est que les concessions? Un exemple, John Gray, en 1990, c'est un Américain, il a fait un best-seller à 20 millions d'exemplaires. Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Très bien, ils arrivent sur la Terre. La Terre est vierge, elle est inhabitée. Les Martiens, ils arrivent, les Vénusiennes, elles arrivent. Et puis les Martiens, ils disent aux femmes, mais qui vous êtes? Nous sommes des Vénusiennes. Et vous? On est des Martiens. Et l'homme, il dit à la femme, mais comment on peut vivre ensemble? On a des caractères différents, des a priori différents, on a étudié différemment, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Comment on peut vivre ensemble? On est totalement différents, de corps et d'esprit, de mentalité. La femme va répondre, je pense qu'on peut vivre ensemble, vous les Martiens et nous les Vénusiennes. Et comment donc, madame? En faisant des concessions. Ça veut dire quoi? Vous nous acceptez les femmes? En contrepartie, on vous accepte. Mais pourquoi on vous accepterait les hommes alors que vous ne nous acceptez pas? C'est pour ça que dans un couple, il faut s'entretenir. La règle numéro 2, c'est l'entretien. Dans le livre qui s'appelle « Usul Rabah fi Ma'rifa de Sahaba de Ibn Yathir », cette anecdote, elle est magnifique. Au temps du califa de Omar ibn Khattab, un homme et sa femme, la main dans la main, veulent voir le calife, le président du monde musulman. Et il le rencontre, il est avec Azim. La dame dit, oh Emir Mouminin, chef des croyants, je demande le divorce, je ne veux plus de mon mari.
le croyant, il était à côté d'elle, c'était son mari. Omar al-Khattab, il a compris. Vous savez pourquoi? L'homme avait des vêtements déchirés, des ongles longs, les cheveux hirsus, en pétard. Elle a dit, j'en veux plus. Très bien. Omar a dit à l'épouse, rentre chez toi et je vais m'occuper de ton mari. Il dit, Azim, emmène-le au bain public, qui se rogne les ongles, qui se coiffe, qui se parfume et qui change de vêtements. L'homme, il revient et transformé, beau gosse. Omar al-Khattab, il dit, maintenant, tu vas frapper à la porte de ta maison et tu vas prendre la main de ton épouse pour aller te balader au parc Georges Brassens à Massy. L'homme, il revient, il frappe à la porte de sa maison. La femme, elle ouvre la porte, il prend la main de son épouse, elle dit, oh, étranger, crains Dieu devant le chef des croyants, t'as pas honte? Elle dit, mais je suis ton épouse, tu m'as pas reconnu. Oh, Emir Mouminin, j'abandonne la requête du divorce. Il y a 14 siècles, les femmes, sahabiettes, croyantes, une sahabiette, elles vaut 1 milliard de musulmans d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle disait? Je veux un mec frais, un mec présentable, un bonhomme présentable. Un musulman que j'apprécie. Pas un musulman qui dit, on est marié et on baisse les bras et on s'abandonne. Vous savez, quand vous allez à la mairie un jour pour vous marier, ben, vous signez le cahier en bas, la femme signe le cahier, le maire ou le maire adjoint signe. Vous savez c'est qui signe le quatrième? Le diable. Je vais vous faire la peau. Je vais vous faire la misère. Ibn Abbas, dans le même recueil, raconte, j'étais avec mes élèves à Médine et je donnais un cours. À la fin du cours, cette histoire, elle est dans El-Mourni de l'an 620 de Ibn Qudama El-Maqdisi. Il raconte Ibn Abbas avec les élèves, il était assis, il donnait un cours. À la fin du cours, Ibn Abbas se coiffe, se parfume, il se fait beau gosse. Les élèves lui disent, oh, grand savant de l'islam, tu nous appelles vers l'au-delà, vers le paradis, tu nous parles de l'enfer et tu te fais beau gosse. On ne comprend pas, t'aimes cette vie? Il dit, non, je fais ça pour mon épouse. Moi, j'aime me faire beau pour mon épouse comme j'aime qu'elle se pomponne pour moi. Où est ton dalil? Mon dalil est dans le Coran, surat Baqarah. Chapitre 2, verset 228, elles ont des droits équivalents à leurs devoirs selon la bienséance. Et moi, j'aime me faire beau pour mon épouse comme j'aime que mon épouse se fasse belle pour moi. Exemple, vous rentrez du travail ce soir, vous êtes sur les rotules, vous êtes fatigué, canicule, il fait chaud, t'as envie de rentrer chez toi et de boire un coup, mais t'es usé. Et quand ta femme ouvre la porte de l'appartement, tu la vois avec un super brushing, du creux aux yeux, à mort, cacharelle et une gaine d'oie à l'agadir. Mais tu sautes au plafond. Tu dis si elle était tous les jours comme ça. Eh, mais il faut le mériter, mon frère. Il faut le mériter. Vous voyez? Voilà, regardez, comme ça, Ibn Abbas était. Et comme ça, l'épouse d'Ibn Abbas. Le cours se termine. Ibn Abbas va à Zbib. Zbib, c'est une ville à côté de Médine. Et à l'heure de Dhor, ils font la prière. Dans le désert, les hommes en groupe. Puis les femmes, elles prient entre elles dans deux endroits différents, derrière les palanquins. Quand tout d'un coup, un sahaba qui a terminé sa prière, il passe devant une sahabiette. Elle fait sa prière. Il se dit en lui-même, Masha'Allah, soleil de plomb dans le désert, 50 degrés, cette femme-là, elle fait sa prière à l'heure. Masha'Allah. Il est étonné. Quelle piété. L'homme, il revient, voit la même femme en train de se maquiller. Alors là, il l'interpelle. Alors là, je vais la sécher. Il lui dit, hé, musulmane, croyante en Dieu, elle est où la prière que tu as donnée à Allah? C'est ce qu'elle dit? À Dieu, j'ai donné son droit. Mais maintenant, à mon mari, je lui donne son droit. Ne sais-tu pas que dans la caravane, il y a des femmes et j'ai pas envie qu'on vole mon mari? Oui, mes frères et mes sœurs. À l'époque, quand on était petit, il y a des voleurs de carambars de Malabar. C'est fini. Aujourd'hui, il y a des voleuses d'hommes et des voleurs de femmes. Donc, c'est pour ça qu'à cette époque, il y a 14 siècles, ils faisaient tout quoi? Pour protéger leur mari. Moi, je veux pas qu'on me le vole. Regardez comment ils s'entretenaient. Regardez bien, avant de passer à la deuxième partie de la khutba. Dans le recueil de l'imam Al-Bukhari, vous trouvez cette histoire qui est magnifique? Le prophète, alayhi salat wa sallam, est dans une caravane avec ses compagnons. Quand tout d'un coup, il leur dit, avancez, avancez! Je reste en arrière-l'eau avec Aïcha. Et à ce moment-là, ils sont loin. Aïcha, elle dit, pourquoi on est resté seul? Parce que j'ai envie de faire un sprint avec toi, j'ai envie de courir. Bah, je suis prophète, je suis messager, je suis envoyé, je suis imam, je suis savant, je suis commandant des armées. Et j'ai envie de faire un sprint. J'ai le temps. Les musulmans de 2020, ils répondent métro, boulot, dodo. Moi, il y a 14 siècles, j'ai plus de responsabilités qu'eux et j'ai envie de faire un footing avec toi. C'est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il veut que sa femme soit en forme. Il n'engraisse pas sa femme avec de zizitoul. Eh oui, mes frères, je veux qu'elle soit en forme, ma femme. Je veux qu'elle me plaise. Et vous savez qui va gagner? C'est Aïcha. Elle sera frêle, elle sera fine. Elle va être une gazelle. Plus tard, dans une autre caravane, le prophète va dire aux compagnons, avancez, avancez. Et on va faire la course. Et qui va gagner? Ah, ça va être le messager de Dieu. Parce qu'elle va prendre de l'embonpoint avec l'âge. Mais vous savez ce qu'il va lui dire?
Il ne va pas dire, tu sais, j'ai gagné maintenant, moi, parce que tu as pris du poids. Non. Une fois tu as gagné, moi, j'ai gagné. L'homme le plus occupé de la terre, il attend de faire un footing avec son épouse. Et nous, qu'est-ce qu'on répond à nos épouses? Je suis fatigué, je travaille, métro, boulot, dodo. Donne-moi un verre de thé, serre-moi un verre d'eau. Vous vous rendez compte? Écoutez bien les hommes, ça ne va pas vous plaire. Mais cette histoire, elle est magnifique dans le recueil de l'imam Al-Bukhari. 5505. Ibn Abbas, il dit, j'étais avec Omar al-Khattab et je l'ai questionné sur un verset du Coran. Il m'a répondu. Et à la fin, il m'a dit, « Kunna fil jahiliya, la na'dad al-nisa et shay'an. » À l'époque du paganisme, où on enterrait les filles vivantes, on tournait tout nu autour de la Mecque, hein, à l'époque du paganisme, on ne donnait pas de l'importance aux femmes. On ne donnait pas de la considération aux femmes. Falamma ja al-islam. Regardez bien. Quand l'islam est arrivé, où Allah, il a quoi évoqué les femmes dans le Coran, là, on leur a donné leurs droits. La suite, écoutez bien. Il dit, kunna ma'shar al-Quraysh. Nous, les Quraishites, naghlabun nisa. Les Quraysh, donc Quraysh, c'est à 500 km de Médine. Hein. On va imaginer la scène. Allez, Marseille. Hein, il marche à la vitesse de Marseille. Coucou, c'est ça, Pénard. Et Paris, les Parigots, ils sont speed. Imagine-toi. Romain, il dit quoi? Nous, les Quraishites, on pilotait, on dominait, on menait les femmes. Falamma qaddamna ilan ansar. Quand nous sommes partis émigrer chez les Médinois, ah, c'est notre vie. Nous avons vu les femmes médinoises piloter les hommes. Et nos femmes mécoises ont pris l'habitude des femmes de Médine. Et maintenant, ce sont les femmes qui nous pilotent. Magnifique, hein, dans le recueil de l'imam Al-Bukhari. La suite. Jusqu'à un moment, je réfléchissais. Et Atika, mon épouse, me dit, à quoi penses-tu, Omar? Moi, je répondis, depuis quand vous, les femmes, vous rentrez dans nos réflexions? Elle me dit, taqillah, crains Allah. Ne sais-tu pas que le prophète consulte ses épouses à tel point que ta fille, Hafsa, mais des fois, le prophète allait se lève rouge de colère. Regardez ces anecdotes qui sont importantes pour comprendre. Regardez comment cette époque elle existait. Alors qu'aujourd'hui, la femme, on ne lui a donné aucune valeur, aucune importance. Et c'est ça notre problème aujourd'hui. Pourquoi il y a trop de divorces? Pourquoi les gens ne s'entendent plus? Parce que chacun a compris l'islam de sa façon. Au lieu de la comprendre comme le prophète alayhi nous l'a enseigné. On évoque le reste à la deuxième partie. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim sallallahu alayhi wa sallam. Toujours dans Usul al-Ghaba fi ma'rifat as-sahaba, mais avant cela un beau verset du Coran, sourate Nisa. Allah Ta'ala dit dans le verset 14 au chapitre 4, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Vivez avec elles convenablement. Vous n'avez pas le droit au dérapage. Vivez avec elles, vous n'avez pas le droit au dérapage. Convenablement. Marouf. Regardez bien, elle est magnifique. Un jour, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, était chez lui et il était avec son épouse. Et comme tout homme et toute femme, on a des hauts et des bas. Hein, un peu d'électricité, ça arrive dans la vie. Et c'est normal. Et à ce moment-là, Omar était quoi? Avec son épouse Atika chez elle et il se prenait la tête. Quand tout d'un coup, un aveugle, il vient voir le calife Omar pour se plaindre de son épouse. Vous êtes prêts? Au moment de taper à la porte du calife, il entend que Atika crie sur Omar. Il se dit, moi, je vais venir me plaindre à Omar de mon épouse, alors que Omar se fait crier dessus par son épouse et tout le monde connaît Omar. C'est pas quelqu'un qui se laisse faire, mais il se l'écrase devant sa femme. L'homme dit, c'est même pas la peine que je vienne me plaindre au calife de mon épouse. Il fait demi-tour. Omar, il sort de chez lui, il le voit. Hey, que fais-tu là? Viens ici. Emir Mouminin, je suis venu me plaindre de mon épouse auprès de toi. Et quand j'ai entendu que ta femme te criait dessus, j'ai dit, laisse tomber, c'est pas la peine que si Omar se fait crier dessus, pourquoi me plaindre de mon épouse? Réponse du calife Omar. Regardez la phrase. Il dit, la hunna huquq, elles ont des droits. C'est elle, bon attention, hein, c'est un cliché, d'accord? Maintenant ça a changé. Il dit, c'est elle qui nettoie ma maison. C'est elle qui allaite mes enfants. Et c'est elle qui cuit mon pain, alors que cela n'est pas obligatoire pour elle. Ah, la super fatwa de Omar. Je répète, c'est elle qui allaite mes enfants, qui cuit mon pain,
et nettoie ma maison. Alors que cela n'est pas obligatoire pour elle. Et quand ma tête est à côté d'elle, cela m'empêche à faire l'adultère. Là, on comprend pourquoi maintenant il y a des dérapages. On n'est jamais avec nos femmes. 12% de divorces, et c'est quoi en France et dans le monde? L'homme fantôme. Vous savez c'est quoi l'homme fantôme? Il n'est jamais là. Soit il est occupé dans le travail, soit il va avec ses amis, soit il fait des heures sup pour se construire une baraque ou un terrain au bled. L'homme fantôme, il n'est jamais là. Et 12% des femmes divorcent parce que quoi? On n'en peut plus, il n'existe pas. C'est un homme fantôme. Alors imaginez-vous, et cela n'est pas obligatoire, regardez. Et mon cœur est en paix quand je suis à côté d'elle, et cela m'empêche de faire l'adultère. L'homme répond, Emil Mouminine, c'est la vérité. Tout ce que tu viens de dire, ma femme me le fait. On m'a dit, patiente, la vie est courte. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des chauds, il y a des hauts et des froids dans le couple. Alors la solution, c'est Ali qui l'a trouvé. Il y a des hauts et des bas dans les couples. La solution, Ali l'a trouvé. C'est ni appeler tes copains, ni tes amis, ni tes voisins, ni tes parents. Si demain, il y a un peu d'électricité avec ta femme, n'appelle ni tes parents, n'appelle ni tes amis, ne va pas sur Internet, ni rien du tout. Ça, c'est le conseil de Ali. Dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, vous êtes prêts? 3442. Anas raconte que le prophète, alayhi salatu wasalam, était avec Abdelrahman ibn Auf, le grand commerçant de l'islam. Et puis, il dit, viens avec moi, attends-moi devant la maison de ma fille Fatima. Le prophète frappe dans la maison, à la maison de la porte de Fatima. Ma fille, comment ça va? Ça va, Abati, mashallah. Où est ton mari? Donc, mon gendre, où est ton mari, Ali? Fatima dit, tu sais, papa, aujourd'hui, j'étais en froid avec mon mari, Ali. Et donc, il est parti prendre l'air. Voilà, il y a eu un petit peu d'électricité, il est parti prendre l'air. Très bien. Alors, Ali, le prophète, il dit, Abdelrahman, cherche-moi, Ali. Et vous savez, à Médine, il n'y avait pas 50 endroits. Pas d'internet, pas de tout ça, pas du tout, pas de snap, rien. Il y avait deux endroits où les gens se réunissaient. Les 5 marchés de Médine, le plus grand Bayinu Kainuka, et puis les mosquées de Médine, et la grande en l'occurrence. Donc si tu veux trouver un musulman, c'était soit dans les marchés, soit à la mosquée. Abdelrahman, ils font ça à la mosquée. Et vous savez qui y trouve? Ali, allongé sur le taux, avec son khamis plié en deux, comme office d'oreiller. Magnifique. Le prophète, il voit Abdelrahman, il dit, c'est bon messager de Dieu, viens avec moi, il est à la mosquée, il fait une sieste. Et regardez bien, le prophète, il rentre dans la mosquée, il voit Ali, il le bouge, et dit, comment vas-tu, Abu Turab? Comment vas-tu, le père de la terre? Parce qu'il avait du sable sur son dos. Ali se réveille, et dit au messager de Dieu, je me suis disputé aujourd'hui avec ma épouse Fatima, et je suis venu à la mosquée pour décompresser. Voilà, la solution, elle est là. Si demain, attendez la suite, vous allez la voir. C'est pour ça que si demain il y a un peu d'électricité, tu fonces à la mosquée. N'appelle personne. N'appelle pas tes parents ou tes cousins et tes amis. Ils vont rajouter de l'huile sur le feu. Chacun se débrouille. Chacun son couple. Regardez bien. Que va-t-il se passer? Alors, Ali, quand ben, il va s'apaiser dans la mosquée parce que c'est les maisons d'Allah, Fatima, vous savez ce qu'elle va faire? Elle va faire une grande douche. Elle va se parfumer les cheveux. Elle va se mettre du kohl aux yeux. Mashallah. Et elle va mettre une belle robe de cirée qu'on lui a donnée. Ali, il passe chez une boulangère. Il lui demande de faire une galette. Et Ali, il ramène une galette. Et Fatima, ben, elle est magnifique. Voilà comment ils étaient à cette époque. On règle l'affaire hein, en 2 secondes. Alors nous, mes chers frères, on est des galants aussi. Alors en vérité, ce soir, on rentre et c'est l'Eid. Minimum, tu ramènes une rose. T'as un peu plus d'argent. Amour, amour, de cacherelle. C'est pour ça qu'il faut s'entretenir. On est fatigué, on travaille, on est usé. Alors toute la semaine, on ne voit jamais nos épouses. Alors si toute la semaine, on ne voit pas nos épouses, on a au moins le week-end pour passer du temps avec elles et sortir. Alors moi, je vous le dis, si vous avez de l'argent, partez tous les week-ends à Dubaï avec elles. Mais si vous n'avez pas d'argent, prenez du thon, du maïs, allez pique-niquer. Mais passez des moments avec vos épouses. Ce sont vos moitiés, mes frères. Le divorce, c'est quelque chose de catastrophique pour nous et pour nos enfants. Et c'est des malheurs sur des malheurs. Donc c'est pour ça, mes chers frères, voilà le prophète, et il y a d'autres histoires, mais je dois m'arrêter. Comment le prophète se comportait? Comment la galanterie du messager de Dieu? Comment les sahaba étaient? Comment ils se comportaient? C'est ça en vérité. C'est comme ça qu'on doit être avec nos épouses. Passer du temps, passer des moments, s'entretenir, s'occuper de soi, faire du sport avec elles, sortir, manger, les cadeaux. En vérité, c'est la personne la plus importante de notre vie. C'est celle qui va te donner des enfants. Ta progéniture, c'est elle que, avec qui tu vas terminer ta vie. Parce que tes enfants, ils vont prendre quoi? Leur chemin. Ils vont vous quitter. Et il restera qui dans la maison? Toi et ton épouse. C'est ça? Au début, tu étais chez tes parents.
on a quitté la maison. Tes enfants vont quitter la maison. Et c'est toi qui l'enterras ou elle t'enterrera. Voilà. La majorité de ton temps que tu passes dans ta vie, c'est avec ta femme. Et ce n'est pas pour se prendre le chaud. C'est pour passer du moment ensemble. Des moments d'amour, des moments de tendresse, des moments de discussion, des moments de communication, des moments de confiance, des moments de partage, des moments d'échange. Ce sont nos priorités. Et je vous assure que celui qui a réussi dans cette vie, ce n'est pas celui qui a 10 magasins ou 3 terrains au bled. Non. Celui qui a réussi, c'est celui qui arrive à faire un parcours. Un parcours avec son épouse. Avec des jambes, c'est pas grave. Hein? Comme Indiana Jones, mais à la fin, t'as gagné. Enfin, on demande à Allah, mes chers frères, Inch'Allah, comme c'est le Eid, on arrive avec des cadeaux. On arrive ce soir avec des cadeaux. Et le plus gros cadeau que je vous le donne, pour terminer, il est dans le recueil de l'imam Muslim, 2405. Muqaddam ibn Hani ibn Shari, rahimahullah, raconte, et ça, il a été expliqué par l'imam Nawawi. Parce que celui qui fait le commentaire parmi d'autres de Nawawi, c'est l'imam de Muslim, c'est Nawawi. Alors, il dit, Muqaddam, je suis rentré dans la maison de Aïcha. Et je dis, Aïcha, qu'est-ce que le prophète alayhi salat faisait quand il rentrait chez lui? La première chose, allez, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre chez nous aujourd'hui? Tu te balances dans le canapé, tu bois un coca, tu regardes Koh-Lanta, tu allumes Netflix. Hein, mais ta femme, tu viens même pas auprès d'elle, derrière son épaule. Comment ça va? Ça a été aujourd'hui? T'es pas trop fatigué? Ça se passe bien? Tu veux un coup de main? Non. Tu vas dans le canapé. Ya Bintenas! Amène-moi un thé. Amène-moi un thé, Bintenas! Elle a perdu son nom, la pauvre. C'est la fille des gens. Alors, toute la journée, tu l'as pas vue. T'es avec Catherine, Isabelle, François, Thierry, Pascal au boulot pendant 8 heures. Et quand tu rentres à la maison, t'as même pas le souci. Et comment tu veux lui faire montrer que tu l'aimes? Puisque tu t'intéresses pas à elle. Tu t'intéresses à ton intérêt. Ramène-moi un thé. On est compte à quoi on a rabaissé la femme? Alors, regardez bien. Et lis au Aïcha, quelle est la première chose que le prophète faisait quand il rentrait chez toi? Vous êtes prêts? La première chose que le prophète Mohammed, mon mari, faisait quand il rentrait chez moi, il passait le siwak. La brosse à dents de l'époque, il n'y en avait pas. Le bâton de harak. Pourquoi? L'imam Nawawi l'explique. Parce que le prophète voulait avoir une haleine buccale au top. Parce que la première chose qu'il faisait, il embrassait sa femme. Alors si nous, on est les adeptes du messager de Dieu, et on crie sur les toits, Mohammed al-Islam, c'est le modèle pour l'humanité entière. Alors ce soir, on va faire montrer qu'on est des gentlemen, comme le messager de Dieu. Et si t'as pas de siwak, t'inquiète pas, ils vendent des malabars, des Hollywood, et tu vas acheter un chewing-gum. Et ce soir, tu embrasses ta femme. Et là, tu vas dire, j'ai fait revivre la sunna du messager, au moins le jour du Eid. Au moins le jour du Eid. Allahumma hadina fiman hadayt, wa afina fiman afayt, wa tawallana fiman tawallait. Allah, rends-nous amoureux de nos épouses. Allah, rends-nous amoureux de nos épouses. Et Allah, fait que nos femmes ne nous détestent pas. Et ne nous attaquent pas le jour du jugement. Et qu'elles ne nous condamnent pas devant Dieu. Et Allah, fait que nos enfants, on est des exemples devant nos épouses. Fait que nos enfants ne nous détestent pas. Et Allah, fait que le monde ne nous déteste pas. Fait qu'on soit des bons maris. Des maris comme le prophète, alayhi salatu wasalam, avec le même comportement.